commencé à Abidjan. Amen. Et le diable a attiré mon attention. Donc je déclare à tous les frères ici. Voyez le diable, frère Roger, comment ça se passe. Ouvrez un cahier. Commencez à mettre l'argent de côté. L'année prochaine, on ferme l'église ici. On ferme Abidjan. Tout le monde à Cotonou. Vous allez venir avec des bénédictions. Amen. Faites tout le sacrifice possible. Amen. Parce que ce soir, je déclare, je suis identifié avec Maxime Fanou de Cotonou. Je suis identifié avec Josué Tabernacle de Cotonou. Faites tous vos efforts. Vous reviendrez changer. Chaque année, quand je viens à Cotonou, je reviens avec un témoignage. Ma vie va de l'avant. C'est que certainement, un 18 août, quelque chose s'est passé à Cotonou. Je sens l'onction sur moi. Amen. Et ce soir, je viens avec une onction fraîche. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie et dans mon ministère. Après Cotonou. Amen. Dieu m'a totalement restauré là-bas. Frère, je veux que vous soyez bénis. Hein. Faites tous vos efforts pour être à Cotonou l'année prochaine. Vous ne regretterez pas. Parce que ce que j'ai vécu à Cotonou, ce que j'ai vu à Cotonou, je viens de Cotonou. Jésus m'a chargé de dire à tous ses enfants qu'il y a quelque chose au sujet de Cotonou. Il y a quelque chose au sujet de Josué Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes la prophétie du prophète. Votre vie dira, voici ce qui avait été parlé par Malachi 4. Même quand la prophétie n'est pas bien, on ne peut pas bien comprendre. Mais quand elle se manifeste, on sait de quoi il s'agit. Ce soir, la manifestation sera l'interprétation correcte. Amen. On est à dimanche prochain. Venez à l'église toujours. Que je sois ici.